vous les enregistrez. Vous êtes là, vous. Ça là, ça envoie quelqu'un en prison. Ça envoie quelqu'un en prison. Donc, avant de prendre, faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux là, mais comme il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés loin à l'école comme moi, et ils pensent que les choses se résument à leur niveau d'intelligence. Alors que les choses vont bien au-delà de tout ça. Merci Sarah Bamba. Les choses vont bien au-delà de tout ça. Hein? Venez s'asseoir, prendre son téléphone. En tant que toi, une dame. La garée, si c'est merci. Toi, une dame, tu prends ton téléphone, tu t'assois. Et puis tu mens comme ça sur les réseaux sociaux, sur une personnalité publique. Mais j'ai envie de te dire, ma chérie, ça va se casser. Ah oui, ça va se casser à un point que tu n'imagines même pas. Parce que premier acte, acte 1 déjà, commence, si j'ai un conseil à te donner, si moi, Yaka, j'ai un conseil à te donner. Par exemple, ce que tu as raconté sur Facebook là, c'est pas Yves Vidéro qui t'a dit. Oh. Et puis à aucun moment, j'ai dit que Yves Vidéro, c'est Yves Vidéro qui m'a dit. Yves Vidéro, même depuis qu'elle est arrivée à Paris là, elle est malade. Ça fait un an qu'elle allait faire un an à Abidjan. Elle est arrivée en France, là, le changement de climat l'a rendue malade. Quand sa gorge même est bizarre là-bas. La fille est en train de se chercher dans le fait des maladies. Là. Coronavirus est mélangé. On ne sait pas si c'est le coronavirus, on ne sait pas qu'est-ce qui... Tout le monde, quand tu commences à avoir mal quelque part, là, tu te poses question de coronavirus. La fille est en train de chercher à trouver solution pour se soigner. Kovidiro, c'est toi qui as appelé Yaka. Moi, quand il est parlé là, tu as entendu vers où Kovidiro m'a appelé pour me dire ça. Tu as entendu ça vers où? Tu as entendu ça vers où? Et puis tu vas t'asseoir. Tu vas ouvrir ta grosse chatte qui est en bas de toi là. Ta grosse chatte pleine de poils. Et puis tu vas venir dire que Kovidiro, toi tu as baiser. Tu sais que c'est des choses que tu vas venir prouver ça à la justice, ma chérie. Donc commence, si j'ai un conseil à te donner, commence à prendre un avocat. Comme vous êtes à LGBT, d'après vous, c'est vous qui avez, à cause de vous, on a recruté tous les avocats de LGBT là. Commence à contacter un pour lui expliquer ton problème. Parce que ton problème qui a commencé comme ça. Ça, c'est acte 1. Et puis, promis juré. Moi, Yaka, il t'en fait la promesse. Je ne sais pas si tu es venu changer ton permis. Bah, toi, une vieille roucascasse, quand ça fait 40 ans que tu es en France, tu n'as même pas les moyens de passer le permis en France. Bah, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tu n'as pas l'intelligence de lire les codes, le code de la route en France ici. Tu es obligé de descendre en Afrique pendant un an ou à 6 mois à Abidjan pour passer permis, enfin, acheter permis. Acheter, bah, toi. Tout le temps qu'il était vu dans ton bar, en train de faire des directs, en train de boire comme une mammouth là. Je ne pense pas que tu aies eu le temps d'aller à l'auto-école. Je ne pense pas que tu aies eu le temps d'aller à l'auto-école. Voilà. Tu as acheté le permis. Tu as acheté le permis pour venir remplacer ici. Mais laisse-moi te dire que ta descente à Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny là, va se savoir. Oui. Si ça ne se sait pas, change mon nom. Toi, la grosse grosse dinde qui a venu t'asseoir hier pour mentir comme ça en direct. Toi, quand tu en parles avec quelqu'un, quand vous cherchez vue là, vous ne savez plus quoi dire. Vous permettez de dire tout et n'importe quoi sans penser aux conséquences. Dans la vie là, tout acte a des conséquences. Tout acte a des conséquences, ma chérie. Voilà. Donc, quand tu mens comme ça fort là, j'espère que tu as les preuves de ce que tu avances. Mais j'espère pour toi que tu vas prouver par A plus B que toi, tu as fait ce que tu es en train de dire là. J'espère que tu as les preuves. Parce que si tu n'as pas les preuves, ma chérie, ça va te coûter ce que tu n'imagines même pas. Tu vas fermer ta cave là pour dédommager la star. C'est moi qui t'en fais la promesse. Parce que tu as dit que si c'est gâté là, c'est Yaka, mais c'est même Yaka là qui va te poursuivre là où tu n'imagines même pas. Si je n'étais pas fait ça, ma chérie, si je n'étais pas fait ça, si moi je n'étais pas fait ça, c'est que moi là, ma maman m'a ramassé. Elle n'a pas fait 9 mois pour me mettre au monde. Ça, je te le dis. Donc, commence à trouver un avocat, oh, mamie. Commence à te prendre un avocat. Vous êtes là, vous provoquez la fille, elle ne vous calcule pas. On peut être jaloux du succès de quelqu'un comme ça, au point de venir mentir
que oui, c'est nous, on a fait vidéo et elle. C'est nous, on l'a fait connaître. Et toi, tu fais connaître quelqu'un alors que toi-même, tu es dans l'ombre, ma chérie. Toi-même, tu es vêtu de voile noir et toi, tu fais connaître quelqu'un d'autre, ma chérie. Le vieux, c'est quoi ton adresse même? J'aime trop ta gamme. Rabbi Al-Awal. Je ne donne pas mon adresse à quelqu'un. On peut mentir sur la vie de quelqu'un comme ça. On peut se lever, venir s'asseoir. C'est-à-dire que toi, tu mens même. C'est-à-dire que même à ta femme, tu mens. C'est à qui tu n'as pas menti. Celle-même que tu appelles ta moitié. Celle-même à qui tu es en train de dire que tu es en train de montrer au monde, aux yeux du monde entier que c'est elle que j'aime plus que tout le monde. Tu n'as même pas été capable de lui dire qu'il vit du roi de poser l'argent sur ton compte à la poste. Tu n'as même pas été capable de lui dire ça. Toi, tu es une menteuse. Tu as venu t'asseoir pour dire, moi, je suis bandant. Oh. Moi, là, tu es femme. Donc, tu es à côté de moi. Je suis bandant. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Je suis bandant, c'est comme si c'est comme ça. Tu es bandant et puis quoi? Tu penses que par exemple, toi, tu es bandant. Non, tout le monde couche chez toi, quoi. Est-ce que tu as vu ton modèle? Est-ce que tu te regardes même? J'espère que tu as de la glace chez toi à la maison pour te regarder. J'espère que tu as des miroirs. J'espère que tu as des miroirs. C'est pas Yves Vidéo celui qui a porté plainte. Hein. C'est moi-même, je vais porter plainte. Et Yves Vidéo aussi va porter plainte, ma chérie. Parce que tu ne veux pas venir t'asseoir et puis mentir fort comme ça sur les réseaux sociaux pour salir la réputation de la fille. Trop, c'est trop. Vous passez votre temps à mentir, à chercher du buzz sur le dos de la fille. La visibilité que vous n'avez jamais eue de vos vies, là. La visibilité que vous n'allez jamais avoir, là. Parce que vous n'êtes rien. Vous n'aurez rien. Quelqu'un qui n'est rien, c'est rien. Tu ne peux pas venir mentir fort comme ça. La fille même entrée. J'ai appris même qu'elle s'est mariée. C'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Elle a sa famille. Elle a ses amis. Elle a sa mère. Elle a son enfant. Elle a son mari, peut-être. Tu viens t'asseoir comme ça. Comme toi, tu ne réfléchis pas là. Je vais t'apprendre que tout le monde peut mettre son cerveau en vacances. Comme toi, tu ne réfléchis pas. Comme toi, tu es vieille, mais tu es bête. Comme toi, dans ta tête là, ils ont joui dans tes oreilles et puis ça a coulé dans ton cerveau là. Il va t'apprendre les bonnes manières. Par là que tu es venu prendre qui ne te regardait pas là. Tout va se retourner sur toi. Oui, oui. Par là que tu es venu charger et puis tu te joues les magnons, tu te joues les cracra là. Tu penses que toi, tu es trop bête. Tu vas aller mettre poudre sur ton visage pour cacher ta crasse. Tu vas aller mettre poudre kaolin sur ton visage pour cacher ta saleté. Pour venir t'asseoir pour mentir. Pour mentir. Depuis la fille a eu du succès, Dieu a fait briller son étoile là. Ça vous fait trop mal. Mais c'est pas l'été. La vie là, chacun a son étoile. On part de rien pour devenir quelqu'un. Tout le monde part de rien pour devenir quelqu'un. C'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Pendant qu'elle est en train de se promener avec les premières dames en Afrique, vous êtes en train de modifier ancien koutoukoudrom de vos frères morts pour en faire un héritage. Est-ce que c'est de sa faute? Hein? Si pendant qu'elle est en train de faire photo avec les premières dames, elle est en train de se faire inviter par les premières dames en Afrique, elle est en train de manger à la table des rois, vous êtes en train de falsifier, comme on appelle ça, ancien cabaret de vos frères morts. Est-ce que c'est pareil? C'est pas le même level. Parce que Dieu lui a permis ça. Elle est partie du bas de l'échelle pour arriver là où elle est. Et rien ni personne ne pourra lui enlever ça à part Allah. Parce que c'est Allah qui lui a donné ça. D'accord? Parce que c'est Allah qui lui a donné ça. Toi, une vieille comme ça, tu ne réfléchis même pas. Comme tu es très, très, très bête là, je vais t'apprendre que il y a des gens qui sont nés au Bethléem mais qui réfléchissent. Tu comprends? Ton gros mensonge d'hier là, ton lourd mensonge d'hier là, ça va te rattraper jusqu'à dans tes poils.